Vu qu'on a pas fait tous les checkpoints là, enfin, je sais pas. C'est pas très grave, hein, si ça va pas, sinon. On s'arrêtera moins aujourd'hui. On est 32 32ème. On n'y croyait pas. On n'y croyait pas, on a regardé la dernière page. On est fatigué, on abandonne. J'ai fait deux feuilles au pif et. Il y a 30 feuilles, c'est pas la peine. Je vous ai trouvé. Alors, au 6ème, c'est top. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Sans savoir utiliser une boussole, c'est pas mal. Beaucoup de pistes, apparemment, il y a 100 km, pas plus, et ça va être 100 km à pousser. On va essayer de passer tranquillement, rester en première. À droite parce qu'apparemment à gauche c'est vraiment la misère. On va tenter, on va tout tenter. Voilà, on va passer. On est fin chaud là, le moteur est chaud aussi, beaucoup trop chaud même. Ça va le faire. Au secours, la presse, venez nous aider. Et filmer là, allez. Oh, j'avoue, là j'ai voulu faire fou, hein. Je vais pas dans la piste dès le début et première ensablage dans une petite montée en plus, donc pas facile à s'en sortir, mais heureusement il y a des gens quoi. Du coup, on dégonfle un peu les pneus pour mieux passer. Allez, 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 allez. Je leur donne les consignes de passer le plus rapidement possible en première. Voilà. Et en règle générale, les filles écoutent mieux que les garçons et les filles passent bien souvent mieux que les garçons. Voilà ce qui se passe. Un petit peu de sable, histoire de s'amuser un petit peu. Comment il est tanké là, il y a une petite demi-heure avant de leur sortir. Oui, on est venu pour poser le châssis, pas pour faire la route. Alors hier, on s'est enlisé, les 10 Marocains qui sont venus, il a dit, je vais te montrer un truc. La danse du chameau, tu l'as fait, tu passes tout le temps. On tente, là ça va marcher. Inch'Allah. La danse du chameau. Hop, c'est bon. You wouldn't know what to say to yourself. Love is a poverty you couldn't sell. Listening waits in the hotels. Be a victim. Et c'est encore plus chouette quand ça galère. You're out of luck. You're singing funeral songs to the studs. The anabolic and bonds, they seem to strut. And the millennial fogs till they fall down into flames. Singing funeral songs to the studs, the anabolic and bronze, they seem to strike. Ravioli ou pâte ? La plus de ravioli. Franchement, c'est 800 grammes de pur bonheur, hein, et puis on se lasse pas. Singing funeral songs to the studs, the anabolic and bronze, they seem to strike. And the millennial fogs till they fall down in the flames. La théorie des fesses, c'est qu'elle chasse beaucoup apparemment. Chasse des fesses. Chasse du derrière, c'est un virage, tu chasses du derrière. C'est un peu comme le ski en fait. J'ai vu que t'avais un sacré déhanché. T'as vu un peu plus. Bon, on a monté la côte et le dernier mètre, elle a calé et du coup on est reparti en arrière. C'est cru trop beau en fait. Il y a eu un trou. Had your fun under an air conditioned sun. Il y a un cardan de pété. T'as un cardan de pété là, non? Non, on va te tirer, mais tu auras des pénalités. Ouais, c'est pas grave. On a dû faire, je sais pas, 9 km, même pas. Il y en a une centaine. Mais c'est toujours mieux d'être tiré par un 4x4 que d'avancer tout seul. C'est la définition du lieu de la prochaine construction d'école. Les plans sont tracés, quoi. C'est assez fabuleux.
Donc je leur ai proposé ce projet d'école. Ils vont faire des plantations de palmiers à proximité de 4 écoles, ce qui va permettre aux écoliers donc d'être un peu à l'ombre quand le soleil tape fort. Et ici, en plein désert, c'est pas rien. Alors le Dolot Eco Challenge, en fait, c'est des participants en fait, du 4L Trophy qui vont proposer un projet original, humanitaire, qui vont un rapport aussi avec le 4L Trophy. Il y a un jury et puis ensuite, avec ce jury, on reçoit une bourse en fait, de 1000 euros qui est en fait qui sert à mettre en place ce projet. En fait, je suis en train d'installer une éolienne de pompage qui permettra de récupérer l'eau de ce puits-là en la stockant à la surface pour qu'ils aient un meilleur accès à l'eau. Si à chaque fois qu'ils doivent avoir l'envie de prendre de l'eau, il faut qu'ils fassent 10-12 mètres à tirer une corde. Ça permettra largement de faciliter l'accès à l'eau pour eux. On voulait vraiment faire quelque chose en plus, de plus poussé au niveau humanitaire, qu'on sente vraiment, vraiment utile. Contrepoids. Donc là, on est dans un village, dans un tsar. On vient d'installer une pompe de relevage d'un puits. Sur le toit, juste là-haut, on a deux panneaux alimentés, qui alimentent deux batteries pour notre pompe. Donc en gros, il y a 110 personnes qui vivent dans le tsar. Et ce puits va pouvoir alimenter 50 familles. Ils n'auront plus à remonter les seaux à la main. Ils vont pouvoir juste simplement appuyer sur l'interrupteur et pouvoir remplir leur bidon. Aider la population pour qu'ils vivent mieux, pour que pour eux ça se passe mieux. Il reste beaucoup à faire quoi. Ouais. Ça amène un confort, un plus, mais on a envie de revenir et continuer avec, un peu. Voilà. C'est vraiment un tout qui fait que ça peut fonctionner. C'est pour ça que ce que je fais de Deloitte avec les bourses Eco Challenge, je trouve ça vraiment bien parce que c'est ce qui permet de nous motiver encore plus. C'est de faire un projet. C'est le plus. C'est le petit plus, je pense, qui nous marque. Qui marquera peut-être plus que les autres. Je suis très fier de moi aujourd'hui. Je suis très fier de moi aussi. Je pense qu'on peut tous l'être. On en est. On est fiers. Tous très fiers de nous. Tous très fiers de nous. On avait prévu quelque chose, on l'a réussi, on l'a amené au bout. Exploit accompli. Je pense que ce soir, on va se coucher en se disant voilà, on a accompli quelque chose en plus du 4L Trophy. On a aidé des Marocains, on s'est éclaté, et je pense que ce soir on va se coucher avec des étoiles dans les yeux. On va essayer de rentrer avant qu'il fasse complètement nuit, pour voir un petit peu les dunes à Merzouga quoi. Faut aller aider à pousser. A priori, ce n'est qu'une mer dans le carbu, le gros classique d'une 4M. C'est Nico, c'est le héros. Il est trop fort. Hein, Nico ? Bon, on va chercher un joint de carbu. Quoi ? Oh putain. On vient de casser le cardan, on est là depuis 11h30, on était très très mauvais et donc on vient de venir de le changer, il est 4h, mais on l'a changé. On t'aime Nico, merci. On sait vraiment pas où c'est, mais vraiment pas. Ah là c'est... il y en a ras le seau là. Là, il y en a vraiment ras le seau là. Là, on n'arrive pas à s'orienter, c'est vraiment... c'est un truc de dingue quoi. Dis au cap 190 entre talus. Le nord est là-bas. Mais le nord, les deux talus sont là et le cap 190 est là. Il n'y a pas de masse métallique. Le nord, il est là-bas. Bah oui, voilà. Là, le cap, il nous dit, si on va par là, il nous dit 250. Regarde, 250. La boussole, elle te dit là, il faut aller là. Après, elle te dit là, il faut aller là. C'est de malade. Le nord, c'est vraiment un grand truc de malade. Mais c'est super. C'est ça qui est bien. C'est vraiment ça qui est bien. On y va, on continue l'aventure. Allez, à plus.
C'est vrai qu'on est quand même venu pour ça, on est quand même venu pour l'aventure. On a chié depuis le début, aller rechercher le sponsor, on en a chié, mais là on en chie encore. Ouais, on va en chier. C'est ça qui est bon, on aime bien en chier, c'est trop facile, c'est pas bien. Bon, mais salut. Salut, allez, à plus. Banzai. Alors on a cassé un longeron, on s'est pris un petit peu trop pour les frères Marot, donc faut qu'on répare. Donc mais bon, c'est pas la première fois, ce sera pas la dernière. Je repartirai quand même demain. Mais les gars du poste mécanique, ils sont géniaux. Parce que de ce qu'on croit que c'est des épaves, ils arrivent à refaire des monstres. Mais bon, faut les bichonner, c'est pour ça, cette année, j'ai emmené le barbecue et le vin chaud. Ils nous bichonnent. Vous vous bichonnez leur 4 ailes et eux, ils vous bichonnent. Bah, il faut, hein. Tonnant, tonnant. C'est ça qui est amusant, qui est plaisant. Avec quelques heures et quelques efforts, puis de l'aide de ses forces, on va y arriver. C'est reparti pour une nuit de boulot, quoi.